Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite du Let's Play sur Distant World Universe, épisode 2. Alors je suis très content de vous retrouver après une petite semaine de vacances. Je vous cache pas que ça m'a fait du bien, j'ai pas trop pris le soleil, mais je suis bien reposé et puis je suis prêt pour continuer à vous produire un petit peu de contenu. Alors, où est-ce qu'on en était dans nos pérégrinations? On en était au tout début, c'était surtout une mise en place. Et puis, alors vous vous souvenez peut-être, là, on a notre système de base avec notre capitale dans le système Sacreia. Voilà, un système qui n'est pas très 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 fourni. On n'avait pas commencé avec beaucoup de chance. On est complètement collé à un autre empire, là, avec le système d'Oltumu. Attendez, voir, c'était des batraciens. Je les appelle les batraciens, ils ont une tête de grenouille et c'est con. Mais non, c'était pas eux. On avait des aliens indépendants qui étaient par là. Sur Kuminur, si je m'en souviens bien. On va juste vérifier, parce que on se perd vite si on vérifie pas tout ça. Est-ce que ça m'intéressait d'aller les envahir éventuellement? Bah, c'était pas ici. C'est là où j'avais trouvé mon capital ship, qu'on retrouve ici dans ma flotte, qui est pas très fournie non plus. On est au tout début, je vous le rappelle. Dans notre flotte, on a trois vaisseaux, puissance de 343. Voilà notre beau capital ship. On pourrait, voilà, la sélectionner, la flotte, qui est en fait autour de notre capitale, ici, en attente. Voilà, le beau capital ship. Ah là là, c'est une taille de 639, c'est pas mal pour commencer, ça va me coûter de l'argent, mais c'est pas grave. Donc, d'une manière un peu plus stratégique et globale, on est assez isolé, hein. Quand on regarde la carte de la galaxie, on voit les bras de la galaxie qui sont ici. Puis là, on est dans une zone qui est vraiment assez pauvre, avec seulement quelques étoiles, mais on a commencé à construire deux, trois trucs par ici. Alors, notamment Villa Seiya, qui, je pense, va être un système important, dans le sens où il est à peu près aux deux tiers du chemin de la zone que je veux coloniser, avec des ressources en gaz qui sont très importantes. Voilà, le Caslon, qui est le carburant de base. Et puis ici, on a différents gaz qui sont aussi très importants au début, notamment le krypton. Ensuite, Villa Seiya, ça va nous permettre d'aller sur ces systèmes ici, Sastea, Varunat, notamment c'était Varunat, voilà, qui contient pas mal de ressources de luxe, et notamment notre fameux Aculon, que j'appelle une fois sur deux le Caslon. Mais vous aurez compris que c'est un métal qui est très important. Là, on voit que dans les ressources dont on a besoin, au niveau stratégique, on a besoin d'Aculon et je contrôle aucune source. Pour le reste, j'ai du chromium à disposition. Et puis, il faudrait que je chope de l'osalia. Oui, l'osalia, c'est déjà quoi? Je m'en souviens plus trop. Ouais, c'est pour faire des torpilles. Et puis, des blasters à d'assaut. Très bien, excellent. Alors, on va voir si on en trouve. On va lancer le jeu. Alors, en vitesse x4, je vais mettre un poil moins vite. On a trouvé des débris. Donc, c'est un des secrets de la corporation Oltumu. Alors, ça nous révèle qu'ils ont découvert un vaste champ de débris. Tac, tac, tac. Et puis, on peut en récupérer visiblement. Alors, je vais à l'event. Il faudrait que j'envoie des gens checker dans ce coin. C'est où? Ah, c'est assez loin. Hein. C'est assez loin. Ah, tiens, pour le fun. Est-ce que j'ai des vaisseaux d'exploration qui foutent rien? Non, je vais mettre juste en vue un petit peu plus globale. Alors, vous voyez, à chaque fois que je sélectionne un vaisseau d'exploration, il y a sa portée qui s'affiche. Alors là, je suis avec un vaisseau de colonisation qui est en voie d'être construit. Celui-ci, c'est peut-être le plus proche. Alors, ce que je vais faire, je vais lui dire d'explorer. Mais je vais le mettre, voilà, ici, explorer. Ce système dans une mission à suivre. Ok, alors justement, on parlait de colonisation. Là, j'ai ce système qui est en voie d'être colonisé. En tout cas, il y a un vaisseau de colonisation qui est construit. Il me reste 28 unités à construire. Et puis là, 37, ça veut dire qu'il n'est pas encore construit. Et je peux construire qu'un seul à la fois parce que j'ai qu'un seul système et qu'un seul spatioport. Et mon spatioport, bah, c'est celui de ma capitale. Il est dans tout ce bordel-là. Spatioport moyen. Et là, on voit qu'il y a notre flotte qui est dockée. Un truc que je comprends pas, c'est qu'il me dit qu'il est en train de rien construire. Alors que théoriquement,
J'ai un vaisseau de colonisation qui devrait être en voie de l'être. Alors, qu'est-ce qui... 27, est-ce qu'il... Est-ce que je peux savoir où il est? Bah, il est là. Bah oui, on voit, il est à moitié construit. Colony ship, 27. Bizarre, je pensais que, si je monte dans mes souvenirs... Bah attendez, je perds un petit peu de temps parce que j'essaie juste de comprendre pourquoi je le vois pas dans ce qui est en train d'être construit. Bon bah si quelqu'un a la réponse, qu'il me le dise. Parce qu'il est là en tout cas. Si je vérifie bien, il s'appelle comment? Sacrea Wayfarer. Donc c'est lui. Bon, en tout cas il est en train d'être construit, ça c'est sûr. Soit, j'ai dû louper un truc. On doit sûrement pouvoir le voir par là. Alors je sais pas comment je vais m'en tirer du coup parce que ça a pas l'air si simple. Pas l'air si simple malheureusement. Tout ça c'est déjà colonisé. On voit ici par les anciens gardiens. Alors qu'est-ce qu'ils me disent mes conseillers? Ils me proposent de construire un peu plus de vaisseaux militaires. Faut dire que j'ai du fric. 78 000 en... Disponible avec un cash flow positif, de même qu'un bonus, j'achète. Bah écoutez, je crois qu'on va aller un peu plus vite, hein. Pas s'emmerder. Voilà, j'ai mis en vitesse x4. Qu'est-ce qu'ils me disent encore? Alors là, ouais, c'est intéressant, ils me disent. Mais conseiller militaire de construire une usine d'armement à Sacreia, voilà. Ça nous permettra de construire des tanks en fait. Alors, je peux leur demander de montrer, mais je sais que c'est ici. Donc j'approuve 2000 crédits pour ça. Alors, smuggling, oui, ça c'est pour demander aux pirates de nous donner des ressources en fait. Du cargo. Ça peut être pas mal. Ils me le proposent. Voilà, les pirates sont pas forcément pénibles, hein. Ils peuvent aller faire chier les autres et puis nous amener du cargo après, ça peut être pas mal. Excusez-moi, je bois un peu. Ah, qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. Ah bah, les anciens gardiens me remercient pour un cadeau que je leur ai fait. En fait, ça c'est l'IA qui a géré, je leur avais demandé de gérer les petits cadeaux, si vous vous souvenez bien dans le premier épisode. Donc j'ai aussi pu paramétrer les messages que je vois, hein. Je vous en ai pas parlé, mais ceux que je considère comme peu importants, ils arrivent ici en tant que petit message, puis ce qui est plus important, comme les problèmes militaires, puis les accords diplomatiques, je demande qu'il y ait une fenêtre pop-up qui arrive. Alors on est en vitesse normale actuellement, on me dit qu'il y a une escorte qui a été construite. Alors... Oui, ce que je peux faire maintenant, autant le faire maintenant, sinon je vais oublier. Alors mes vaisseaux militaires. Donc, tiens, ça c'est, voilà, une frégate. Ah, qui est, ah oui, celle-ci. Au passage, je crois que c'est une des toutes premières que j'ai trouvées, si vous en souvenez aussi. Et elle n'avait pas d'hyperdrive. Alors, si je sélectionne, il était dans le système voisin. Ouais, donc vous voyez, depuis le début du jeu, elle a quitté le système. Puis elle est là dans l'espace. Elle va à une vitesse de 8, quoi. Alors que mes vaisseaux hyperdrive, ils sont un facteur de 1800, quoi. C'est impressionnant. Bof, on va la laisser faire. Je pense que la partie sera pas finie, qu'elle sera déjà finie, qu'elle sera pas arrivée dans mon système. À la limite, je pourrais la buter tout de suite. Ouais, on va la laisser, c'est marrant. En fait, je me perds. C'est facile de se perdre. Je sélectionne les vaisseaux qui n'ont pas de flotte attribuée. Voilà. Non, sauf celle-ci. Vous voyez qu'il y en a le Trident, l'escorte qui vient d'être construite est là. Et puis il y a les autres qui sont en train d'être construits. Puis je les attribue déjà à ma flotte. Et ça, ici, maintenant j'ai 7 vaisseaux dans ma flotte, dont 3 qui sont en train d'être construits. Ce qui augmente ma puissance à 440. Je peux aussi vérifier là. Ouais, bon, bah, j'ai un peu d'avance. Oui, j'ai fait des paramètres de noob. Je vous avais averti. Et puis, au niveau diplomatique, on voit que ma puissance militaire, 587, 287.
eux, ils sont largement devant. On les fait pas chier. Et Red Moon, c'est les pirates. Et là, on peut voir les colonies qui contrôlent, les raids qui font. Voilà, l'arrangement de protection, 97 crédits par mois. On réaccélère la vitesse. Voilà, on voit les petits vaisseaux civils qui sont. Oula, qu'est-ce qui se passe? Des ruines. Allez, j'ai trouvé des crédits. Ils me disent envoyer un ship. Là, je m'en fous, je vais les laisser dans le coin pour l'instant. Alors là, c'est des vaisseaux de construction qui vont construire des bases ici en fonction des ressources dont j'ai besoin. D'ailleurs, on jette un petit œil encore au niveau de tout ce qui est stratégique. Voilà, j'ai pas mal de sources maintenant de un peu tout sauf de Tiderios ici. Des fibres de carbone, ça c'est assez important. Necrostone. Et puis toujours ce putain d'Aculon. Hein. Si je regarde ce dont j'ai le plus besoin. Alors, ça c'est des ressources de luxe. Marbre de Garras, de l'Eusalia. Et puis. Le Caslon, j'en ai besoin? Non, c'est bon. C'est bon. Autrement, toutes les demandes commencent à être remplies petit à petit, ce qui est bien. Alors, ma colonisation. Waouh, il y a pas mal de planètes qui sont apparues. Alors, celles qui sont en rouge, normalement, sont pas colonisables parce que sont probablement déjà sous contrôle de quelqu'un que je n'ai pas encore découvert. Ça risque de bientôt merder tout ça. Parce que s'il commence à avoir des gens ici au niveau du vide de Virgissou, c'est la zone, elle s'appelle comme ça. Au passage, moi je viens du cluster, enfin du cluster, comment on dit en français? Oh, je sais pas, je sais plus. Du regroupement, des mines d'Ara, bref. Ah non, dans l'arme d'Undirune. Ah, c'est pas bon ça. Donc, moi je voulais voir mes colony ship. Ah, il est encore en train d'être construit, plus que 12. Ah, ça fait chier. J'ai découvert du cristal d'émeraude sur Sacraïa. Ça, c'est plutôt bien. Plutôt pas mal. Bon, bon, bon. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il me propose de construire des choses encore? Non. Là, je peux aussi voir que j'ai deux escortes, trois frégates, deux destroyers et un capital ship. Sept explorateurs, trois construction ship. J'ai évité de prononcer en anglais. Vous en serez reconnaissant. Ah là là. Dur, dur de revenir à la réalité après les vacances. Il est tôt le matin. J'ai des choses à faire tout à l'heure. C'est pour ça que je m'y suis mis tôt. Peu la tête dans le sac. Et au passage, là, pendant ma petite semaine, on est arrivé gentiment à 25 abonnés. Ouais, ça paraît petit, mais pour moi, ça me fait plaisir. Et puis, je dis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Enfin, les 7 en l'occurrence, parce que j'étais à 18, je crois, avant. Et ouais, chaque nouvel abonné compte. Hein. Tac, tac, tac. Toujours x4. Alors, il y a des choses qui sont apparues. Ce que je vais faire des troupes et puis je pense que je vais aller envahir cette histoire là. Il y a des, c'est là où il y a la colonie alien hein, indépendante, les Akonish. Ah bah voilà, là il reste plus que une pour que mon colonisateur, le Sacraïa Wayfarer, soit prêt. Donc on y est presque. Et là on a découvert du plomb sur Sacraïa. Bon bah finalement. C'est un système, enfin une planète assez riche. Je sais pas si c'est sur ma capitale. Oui, c'est sur ma capitale. Voilà, encore des ruines. Un super weapon. Le rayon de la mort, si c'est pas beau ça. D'ailleurs, au niveau recherche, là je leur avais. Les seules directions que j'avais données, c'était pour les technologies de colonisation. Bon, bah ça suit son cours. Je pourrais acheter. Pour 139 000 crédits que je n'ai pas. Donc, j'ai seulement 65 000. De toute manière, je voulais pas dépenser de l'argent dans la recherche comme ça maintenant. Techniquement, enfin théoriquement, je voulais dire, mon vaisseau de colonisation est construit. Où est-ce qu'il se trouve? Voilà. Sélectionné. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va se ravitailler. Voilà, on voit. Et puis, il va partir coloniser. On lui avait dit d'aller sur. Soims.
On peut aller à la colonie potentielle. Ah mince, il n'est pas allé. Je me suis brouté. Qu'est-ce que j'ai fait? Select. Go to. Voilà. Jolie petite lune continentale autour d'une géante gazeuse à Sastea. Voilà, c'est pas mal qu'on aille là-bas. Et puis moi, je voulais faire mon petit salopard. Alors je vais prendre ma flotte. Est-ce que j'ai ma flotte? Je sais pas si j'ai une capacité d'emport d'unité. Oui, pour 260 parce que j'ai un capital ship. Donc je pourrais lui dire à ma flotte d'aller voilà charger des troupes. Donc maintenant, si l'autre troupes, si je vais sur ma petite flotte, se trouve là. Donc je pense qu'il y a le capital ship qui va se mettre autour de la planète. Voilà, ils se mettent là pour aller prendre des troupes. Mes troupes, j'en ai un peu sur la planète. D'ailleurs, je vais en construire. On va faire des tanks. Voilà, normalement, c'est l'ordinateur, enfin le PC qui contrôle tout ça. Mais je peux quand même lui. Ah ouais. Arrête de me le demander. Et puis, on va laisser l'automatisation. Mais je vais quand même lui dire de faire un peu plus de troupes. On est toujours en vitesse x2. Voilà, il y a les troupes qui commencent à rentrer là-dedans. On va essayer de choper un système. Donc, Sastea. Où c'est que c'était Sastea? C'est un peu plus au nord. Il voilà, faut que j'aille moins. Voilà, Sastea. Et ça doit être voilà, notre vaisseau de colonie qui va gentiment arriver à Sastea pour coloniser notre première planète. Bon, mon cash flow, il en a pris un petit coup là pour l'instant. En général, ça booste pas mal. Ce qui est, il faudra que je construise un spatioport, ça va me prendre du temps parce que sur une colonie qui débute, le temps qu'elle se lance, c'est longuet. D'ailleurs, il faut que je lance la suite de la colonisation. Bon, alors ça, je veux les attaquer, eux. Symes, voilà, tac. Ça, c'est où? Ça, je vais envoyer. Ok, ouais, ça a l'air d'être un joli système, ça. Je veux. Colony ship programmé. De toute manière, on va se mettre en file d'attente. Et puis, on va reluquer un petit peu à quoi ça ressemble, la planète de nos amis les Batraciens. Donc, c'est une planète marécageuse qui contient 360 millions d'Aconiches. Voilà à quoi ils ressemblent. Une race, bon je dis batracien, mais c'est des reptiliens. Ouais, ils ont des grandes têtes proéminentes et plates, des protrusions, voilà, c'est magnifique. Ils sont assez agressifs, on va voir, et assez prétentieux. Je les aime pas ces mecs, à chaque fois que je les rencontre. Reptiliens, gna gna gna. Ils se reproduisent vite. Ok. Bon, je pourrais aussi les intégrer, hein. On va voir ce qui se passe. Ah, j'ai envie de faire le chien. Ce sera plus drôle. Alors, ma flotte, où est-ce qu'elle en est? 16 000 troupes. Il n'y en a pas plus que ça. Ah, les pirates m'offrent. Pour 20 000 crédits, l'emplacement d'une colonie. Oh, non, merci pour l'instant. Non, merci. Ah, elle est pas mal cette planète. Il y a des noix de mégalos. C'est une ressource de luxe rare. Ça grandit très lentement. Ça prend plus de 2000 ans pour avoir une taille mature de 5 mètres. Putain, les noix, quoi. Oh, j'adore. J'aime bien toutes ces petites descriptions, quoi. C'est assez SF dans l'esprit, on va dire. Alors, ils peuvent se. Leur système de racines peuvent se répandre jusqu'à 30 mètres dans toutes les directions. Eh ben, intéressant, hein. Bon. Où est-ce qu'on en est? Dans la colonisation, ça avance, ça avance. Ah, on va louper le moment fatidique. Ça, c'était à. Allez, hop, hop. Voilà. Ah, elle arrive, première colonie. Allez, plus vite. Hop. Ta-ta-ta-ta. Les colons arrivent. Et voilà, c'est à moi.
C'est colonisé. Alors, les taxes, on les laisse à zéro. Pour l'instant, il n'y a que 30 millions d'habitants. Ok. Et voyez sur la carte, ça fait voilà la première liaison interstellaire. Ce que je vais faire, je vais déjà leur dire. Je sais pas si c'est. Je fais bien d'ailleurs, mais bon. Un petit spatioport. Alors là, il met un point d'exclamation parce que je vais avoir des problèmes de pénurie en silicone, en or, en polymère, en acier, en fibre de carbone, en tout quoi. Enfin bref. Et ça va être comblé petit à petit par les vaisseaux privés qui vont aller rechercher dans mes réserves sur Sacrea parce que j'en ai pas d'autres. Et sur les autres systèmes, ils vont aller farmer pour amener tout ce dont j'ai besoin pour développer le système. Alors ça me permet d'avoir une, deux, trois. 4, 5, on va dire, étoiles dans la zone qui sont quasiment sous mon influence. Vous voyez, Villa Seiya, là, qui a du carburant, mais ça, c'est en aura aussi. Bon. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner. Ah là là. Les troupes, ils en ont toujours pas pris plus. On va aller à la flotte. Sur Sacré, il y a combien? Touk touk. Ouais, il y a des tanks. Je sais pas si je peux prendre des tanks d'ailleurs dans ma flotte. Je crois que oui, normalement. Pourquoi est-ce que ils sont en train de faire quoi? Pas de mission. Oui, moi je veux que vous preniez des troupes. Normalement, j'ai encore de la place. J'ai 100 sur 260. Ok. Alors, le reste de la colonisation. Si je classe les planètes par qualité. Alors, Drummond Cass. Ouais, je m'en fous, j'envoie. Hop. Ouais, j'aurais peut-être dû faire eux d'abord. Là, normalement, je peux faire Scrap. Oui. C'est juste pour l'ordre. Ok. Bon, ça, c'est en route. Mon pieu, je peux me les faire ou pas alors? Et puis on va pas tarder à stopper là-dessus d'ailleurs. Enfin, je pense que je peux quand même essayer d'envoyer ma flotte là-bas. 100 sur 260. Pourquoi il veut pas me charger plus? Alors lui, il fait. Bon, j'ai pas non plus de. Comment ça s'appelle? Voilà, de transport de troupes. Je pourrais construire ça d'ailleurs. C'est des décimators 2. Là, les noms, en fait, quand ils mettent 2, 3, 4, c'est les différentes versions. Je pourrais aussi rétrofitter ma flotte. Je sais pas si je l'ai déjà fait, peut-être une fois, je m'en souviens plus. Ce que j'arrive juste pas à comprendre pour l'instant, c'est que pourquoi j'arrive pas à mettre plus sur mon capital ship. Ça, voilà, il est en train de prendre des troupes. Il est à 100 sur 260. Ok. Pourquoi il peut pas prendre plus? Hein? Pourquoi? Parce que normalement sur Sacrea, si je vais dessus, il y a ça. Alors peut-être que dans ce que j'ai réglé, il faut qu'il y ait au moins une troupe par système. Et puis tant que j'ai pas ça qui a été construit, il peut pas en prendre plus. C'est d'ailleurs probablement ça l'explication. Ah, puis là vous voyez, je suis content parce qu'on voit que il y a deux. Vaisseaux de colonies qui sont en train d'être construits. C'est ça que je cherchais avant. Je sais pas pourquoi c'était pas écrit dans là-dedans. Ça m'a échappé parce que c'est un bug. Tant pis. Alors, toujours pas. Je pourrais essayer de. Bah, non. On va être un peu patient. J'accélère à x4. Pardon. Alors. Ouais, ça prend encore un peu de temps. Bon, bah vous voyez, ça se développe. Je sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je suis tout à fait disposé à y répondre. Si vous avez des commentaires ou si j'ai dit des grosses conneries, bah s'il vous plaît, faites-moi signe. Voilà, les ruines, c'est toujours bon à prendre. Rien d'intéressant. Et puis bah je vous dis à tout bientôt. Je vais enregistrer d'autres épisodes pour mes autres séries. Et puis. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, tout ça. À très bientôt, ciao!